tiens. C'est vrai qu'il y a ma femme ici. Enfin, ma deuxième femme. Bonjour. Oui, oui. Eh ben, tu l'as fait. Vous pouvez sûrement trouver un meilleur nom que moi, non? Oh, il faut arrêter de me faire chier avec mon nom, bordel. Ah, et donc ça me fait gagner des points de gentillesse juste de me ramener vers ma femme. Bon, c'est cool, hein. Ah, pour une fois qu'il s'en rend compte. Eh oui. Bon. Hein? Ah bah, quand même. Non. Fait que passer dans le coin, mais bon. Puis en plus, fait nuit, hein, tout est fermé. Tili-tili-tili. Hein? Oui. Oh, pff, comment est-ce qu'il a fait pour rater, quoi? Bah voilà. Pff, une bague. Dis-lui que je vous taquine une bague. Alors par contre, j'y vais un coffre, là. Et un coffre, ça m'intéresse. Et le chien fait pipi. Alors, on doit creuser. Oh, bah, y a même un coffre. Je crois que j'ai loupé. Ah non, c'est bon. Pas que des mots éternels encore. Bah, un coffre à 5, on va voir comme c'est intéressant. Ah, poisson de vie quand même. Utilisé. Poisson de vie qui rajoute de la vie, hein, je rappelle. Vous avez passé l'âge de vous faire appeler moineau. Monsieur, oh. Ils sont chiants ces PNJ. Améthyste. C'est cool, ça sera que dalle, mais c'est pas grave. Donc, je disais, la maison. C'est miné. Acheté, emménagé pour le moment. Le temps de pouvoir me balader dedans. Voilà. Je résume qu'il y a que dalle intéressante dedans, mais pour le principe. Voilà, 200 pièces d'or. Vu le prix du bâtiment. Mais bon, voilà. Il était juste sous mon nez. Je l'ai pas me faire chier. Maintenant. Allez, utilisez. Oh, bon sang. Louis. Oui. Ajuster loyer. Moins 25%. Et on est bon. Ah. Je sais pas comment faire ça. Bon, c'est pas grave. Direction Fairfax. Donc c'est la première fois qu'on passe par là, hein. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Enfin, il y a des endroits creusés, il y a des marchands ambulants, mais en soi, rien d'extraordinaire. Yeah! Colorant bleuvre. Bah, intéressant. Donc, ici nous avons un site de fouille, avec ici, donc le grand archéologue, machin truc bidule. Donc c'est des... ça donne des quêtes en fait, c'est sous forme d'énigmes.
Il faut chercher un endroit où est caché un trésor, machin, enfin un trésor, un objet qu'elle cherche, lui ramener, et ça fait avancer les fouilles en gros. Sachant que si on passe ici avant d'aller dans la flèche brisée, ici les gens commencent juste à creuser, il y a quasiment rien de mise à jour, alors que là voilà quoi, c'est déjà bien avancé. Donc elle cherche en gros des trucs pour pouvoir ouvrir la porte ici. Si je me souviens bien, on va éviter de se prendre le truc de quête. Je ferai pas la quête parce que bah, elle est relativement longue et peu intéressante, je trouve. Je peux aller là? Non, je peux pas. Bah tiens, j'ai parlé vite fait au marchand ambulant. Du faut que. Fusil. Contente de vous rendre service. Bon bah si t'es contente de rendre service. Fusil à rouet de maître. C'est un de nos meilleurs articles, je vous le recommande. Oui. Le fusil à rouet. Vous ne pouvez pas vous tromper. Fait moins de dégâts. Je suis à tourelle, c'est bizarre ça. Ah mais c'est la vitesse de chargement. Temps de chargement, non, il est plus long. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Bon, pas grave. On va pas s'y intéresser plus que ça. De pistolet, non. De cadeaux, non plus. Vas-y, on va creuser. Montre à papa. De nourriture, non, ça je m'en fous complètement. De vêtements. Ah, ça peut être intéressant, si jamais. Des fois qu'ils vendent les nébis. Ouais, ouais. 500 pièces d'or, bon, c'est toujours mieux que rien. Marchand de vêtements. Allez. Vous êtes mon client préféré. Ah, ils vendent les objets, ouais, bon. Indico vengeance. Vous devriez vraiment prendre ça. Bottes élégants. Que d'élégants. Et une robe d'enchanteur. Manteau élégant homme. On ne trouve pas mieux que ça. On va le prendre. Vous ne regretterez pas tout cet or. On va le prendre comme ça, les gens m'arrêteront de faire chier avec mon manteau, et puis voilà quoi. Au final, il y a quand même pas beaucoup de vêtements quand même dans ce fameux là. Bon, dans le 3, au final, voilà quoi, il y a un peu plus de choix, mais. Toujours aussi inintéressant. Bordel, je me suis perdu. Ils sont où les vêtements? Mais je suis aveugle ou... Ah bah. Oui. C'est vrai, les vêtements, ce ne sont pas des objets. Manteau. Manteau à pisser, manteau les gants. Voilà. Mon personnage, je suis quand même gros. Faut le dire, on dirait qu'il y a un gros cul en plus. Mais bon. Tiens, j'ai quoi comme colorant en fait, du coup? Par contre, les colorants sont l'objet. Tout à fait logique. Ah, bleuvre, je l'avais déjà. Ok, bon, plutôt pour moi. Pas mal du tout. Wow. Ça fait de l'effet. Ça fait apparemment de l'effet. Fusil, j'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qui est enterré au pied de ce vieillard? Collier majestueux. Tout au fuité, le salut. Alors, allons-y. Pas long qu'on y est. Objet. Je crois que c'est dans le divers. Divers, élixir panin, codification, collier majestueux. Bon, on va garder le même, hein, Captain Obvious. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et, livre tout ou futé, le salut. Oui. Livre et document. Tous les jours de Lucien Gay, ça va que dalle.
Bon, ça peut être intéressant pour niveau background, hein. J'ai tous écouté pour voir le une fois, mais c'est pas d'une priorité absolue. Tout au futé. Voilà. Ouais, bon. Ça me fait penser. Il y a un truc là-dessous. C'est l'argent, oui, mais bon, il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? On va creuser. Bah vas-y, montre. Pff, ok, on peut le mettre du chemin. Comme ça, gratuit. Par contre, je suis en train de voir, ça fait une heure quand même que j'enregistre, donc on va faire juste cette session, juste sur cette quête. Quand même pas mal, quoi. Faut dire que la quête est sympa, elle est relativement longue, elle fait un vrai relativement énergie. Et une porte. Et jusqu'où comptez-vous aller, comme ça? Oh, je vous connais. Vous croyez que les portes démoniaques sont des joujoux que vous pouvez ouvrir quand bon vous semble? Eh bien, pas moi. Je suis la plus belle, la plus grande et la plus vieille de toutes les portes, et je ne laisse passer absolument personne. Alors, passez votre chemin et allez chercher un autre rocher ennuyé. Voilà, donc cette porte-là, en fait, ne s'ouvre que une fois que vous avez ouvert toutes les autres portes. Donc, ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent... Il me semble qu'il y a moins de portes dans le premier, mais... Donc, normalement... Il y a des portes qui s'ouvrent que si vous êtes gentil, que si vous êtes méchant, maigre, gros... Ce genre de choses, donc... Faut quand même y aller. Bon, j'ai déjà ouvert, je me souviens plus que derrière, il me semble que c'était pas quelque chose de super, super intéressant. Et bon, rien que pour le challenge... Ça peut être intéressant. Ça fait de la durée de vie en plus, quoi. Pistolet, vêtements. Cadeau. Non. Il y a vraiment rien qui m'intéresse. Niveau marchand ici. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Le chien, il veut quelque chose. Où est-ce qu'il est passé, ce con? Vas-y, montre. Allez. Le chien est complètement buggé. Il court après sa queue. Allez! Oh, purée, le chien qui est buggé. Qu'est-ce que c'est ça? Construit pour durer, équipé pour mourir. Intéressant. Mangé par des zombies. Oh. Et ils ont pas peur qu'ils se relèvent, du coup? PDM, la plus belle tombe de l'histoire. Ok. Changera la façon dont les gens verront les résidences secondaires éternelles. Ok, c'est cool. Délaissée de tous, elle repose désormais en paix. Virginia Spencer. Ça me dit rien. Je pense pas que ça aura rapport avec les anciens. Enfin, avec l'ancien. Les gravures de cette pierre tombales sont effacées, invisibles. Effacées, invisibles. Bon, le chien est encore buggé ou comment ça se passe? Bon, il est encore buggé. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y a des tombes. Enfin connecté à l'autre. Le blague de geek. Au volant de sa Mustang pour éradiquer le fléau des insectes morts dans son combat. C'est comment Patrick Barker? C'est en référence à une série, peut-être quelque chose comme ça. From l'au-delà, un port. Ses recherches montrent que 9 hobs sur 10 ne savent pas utiliser correctement un tromblon. D'accord. Les gravures sur cette pierre tombale sont effacées et illisibles. Encore un gros creusé, il va me montrer, oui ou merde. T'as fini de bugger? C'est bon? Il a fini. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de place avec ce collier.
carte dédicacée, ok, pourquoi pas. Encore une carte, deux, trois. Trois cartes, bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Un bug de texture. C'est intéressant. Tombeau de Lady Grey.